Hey, salut, vous avez vu, j'ai un dragon, il est trop stylé et tout. Hey, mais salut. Non, mais ta gueule, toi, tu dégages. Tu dégages. Non, je reste ici. Ouais, je suis venue pour te faire chier. Bon, vous savez quoi, hein, on s'en va. Non, je déconne. Mais. Je m'en fous, je fais une dépression, je me mets en position fétale. Je rigole, hein, j'ai pas de pression, mais d'accord quoi. Bon. Bon, bref, sinon c'est Axel LPS en compagnie de. De moi. Oh putain, dragon qui tombe là. Hashtag dragon qui tombe. Donc voilà, c'est Flocon LPS. Donc on se retrouve dans la vidéo de la FAQ qu'on a ouverte hier soir. Soir, pas matin. Genre, je fais du mot bizarre. Le soir, en plein live. Voilà, c'est pas fiché l'heure, c'est de la merde. Inquiétez-vous pour sa santé mentale, hein, parce qu'on fait en plein live de ton vidéo. Faut pas être très bien dans sa tête. Je t'aime bien. C'est un dragon fragile. Mettez hashtag dragon fragile. C'est dragon fragile. Bon, bref, sinon, on vous remercie d'avoir posé. Beaucoup de questions. Ouais, beaucoup de questions, je viens de m'en rendre compte, mais il y a beaucoup de questions. Putain. Voilà, il y a beaucoup de questions et bah c'est cool en fait, c'est mieux que de répondre à deux questions pour faire une vidéo de 47 minutes parce qu'on va faire l'icône tout le long de la vidéo. Oui. Mais bon. Alors, on commence. Oui, on dit le pseudo et puis on lit les questions. Voilà, donc les questions de Léa Garcia, je sais pas si je prononce bien mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu vois. C'est pas grave. Alors, tu fais quel sport? Si oui, lequel? Si oui. Tu fais du sport, pardon. Si oui, lequel? Bah, moi, perso, je fais du sport et je fais du running, en fait. Je fais des jogging. Ok, bah, moi, je fais pas de sport parce que je suis une grosse flemmarde. Voilà. Et j'ai aussi, bon, en même temps, au collège, bah, je fais aussi du sport parce qu'on nous impose du sport. Des gros lards en cours, là. Bonjour, bah, nous sommes en SVT, nous étudions la... Voilà. C'est moi. Ah ben non. Mais moi au lycée je ne fais pas de sport. Moi pendant les cours de sport je regarde les autres. Tu t'assois par terre avec un petit grec et tu les regardes faire. En mode ouais vous faites bien nos sports. Toi je suis prof de sport en fait. Ça bref on va pas s'éterniser sur le sport. Ça part trop loin. Ta matière préférée à l'école? Toi d'abord. L'anglais. Voilà. Alors si moi, ouais, je te coupe la parole. Alors, ta gueule. Hein. Alors, tu m'as passé dans l'œil, ça fait mal. Bref, c'est pas grave. Si tu disais. Donc, j'ai plusieurs matières préférées, donc j'aime beaucoup l'anglais. C'est la meuf trop originale. Et la musique, parce que j'adore la musique, voilà. C'est ouais, cool. Non mais prends ton temps, hein. C'est ma vidéo, mais... Ok, c'est pas la musique qui fait que j'aime l'anglais. Je suis normal. Ton nombre préféré? 667. Voilà. J'ai gâché la vie de tout le monde. Bah moi c'est 209. Voilà, me demandez pas pourquoi. J'en sais rien du tout. Hein, c'était mon ancien pseudo, LoveLPS 209, le pseudo le plus nul du monde. Voilà. Alors, couleur préférée? Non, c'est de Love Pets. Ah oui, pardon. Just My Life. Oui, il est question de Love, Pets, Gaming, Just My Life. Oui, je répète le pseudo, c'est pas grave. C'était il y a 19h. Oui, il y a 19h. Alors c'était... Bon, je vais pas calculer quelle heure elle a posé. On s'en fout, bref. Donc la couleur préférée? Bah, moi c'est turquoise. Bah moi c'est le bleu, hein. On va dire que c'est à peu près pareil. Mais moi je suis plus précise. Bah moi c'est bleu ciel, voilà. Je suis victimisée. Eh, c'est bon. Tu veux faire quoi là? Je suis intime. J'ai rien à dire, putain. Sport préféré, on a déjà répondu. Matière préférée, on a déjà répondu. LPS préféré. Bah, moi, c'est celui-là. Ah, bah, moi, maintenant, c'est celui-là. C'est sa nouvelle mascotte. Mais en plus, j'ai hésité, je me suis dit, je vais changer, mais non. Bon, après, j'ai un autre patch-up préféré, c'est quand même celui-là. Hein. Sois pas jaloux. Et au pire, ce sera tu as une photo des deux. Voilà, c'est les deux best friends. Non, mais dégage-toi, tu m'as volé ma place. Oh, c'est original. Non, je te connais pas. Putain, ça part en couille. Bon, Allez, on fait ça, combien de temps? J'en ai deux. Bref. Alors, on était à la 5, du coup. On a dit notre favori, notre âge. Alors, moi, j'ai 15 ans. Voilà.
c'est intéressant. Moi, j'en ai 13. Voilà, c'est encore plus intéressant. Alors, pour Axel, donc c'est des questions pour moi, ok? Rien que pour moi, tu... Voilà, merci. Alors, quand sera le résultat du concours MV? Je dégage. Alors, ça sera... Jamais, parce qu'elle a la flemme. Ouais, voilà. Je le ferai un jour. Ouais, quand elle dit un jour, ça veut dire jamais. Hein. J'ai à peine de la voir, mais bon, c'est pas grave, je la connais déjà. Je lis dans les pensées. Alors, tes quels préférés et danois? Bon, là, on va dire que c'est question pour les deux. Hein. Tes quels préférés Ouais, bon, c'est celui-là, il est très moche parce que maintenant, il a plus le collier et plus la jupe. Hein. Merci qui? Je voulais dire merci Jiffy, mais je sais pas quoi. Merci hein. Jiffy, Bernadette et Bernard. Je fais un mélange, Bernard. Bref, mon teckel préféré, celui-là. En fait, du coup, moi, j'ai mon deuxième teckel, du coup, j'ai un deuxième. Mais sinon, mon préféré, c'est quand même ma mascotte. Enfin, c'est pas ma mascotte, mais... Bon, alors, on va faire une photo juste ici, tu vois. Voilà, une photo quelque part. Et moi, mon danois préféré... Attends. Bon, en même temps, c'est le seul que t'as. Montre-leur celui que tu as, le gris. C'est trop bizarre. Parce qu'en fait, elle a un gris qui est trop bizarre. Mais en fait, c'est pas vraiment un bench-up, c'est un truc qui se met sur les crayons. C'est un faux. En fait, c'est pas vraiment répertorié. Mais quand on compare par rapport à la tête, c'est pas pareil. Ouais, mais c'est pas vraiment un bench-up, c'est un truc, c'est un produit dérivé en fait qui se met sur les crayons à papier. Pour Flocon, sport, si tu en fais, j'ai déjà dit. Youtubeur, youtubeuse préférée. Alors, au niveau youtubeur normal sans que ce soit LPS, donc je dirais Natou et en garçon Squeezie. Au niveau du LPS tube, en garçon c'est Petchum, je suis un mec, et en fille j'en ai plusieurs, donc j'ai The Panther 13, Axel ici présent. Et j'ai Galaxou et LPS pour Fantasy TM. En fait, les grandes LPS tubeuses, je les adore. Mais en priorité, Axel, parce que ça va être une amie virtuelle. Enfin, réelle, pardon. Oui, ouais, une amie totalement virtuelle, on s'est jamais vu. Jamais, non, je n'est pas te du vois tout ensemble. Pas. On s'est encore jamais rencontré. Je vais me chercher un grec, wesh. Donc, sinon, autre question De Cerise LPS Gross. Tu sors avec quelqu'un? Moi oui, Axel essaie. Donc voilà. Moi j'ai... non. Alors je vais vous expliquer l'histoire. Donc je sors avec My Name is Mbot. Donc c'est Antoine. Je sors avec lui. Et puis Axel, peux-tu répondre à la question pourquoi tu crées ta chaîne? Moi je dis après. D'accord. Et oui, donc sinon, en fait, elle sort avec le mec, vous voyez là, celui qui me prend à chaque fois les lives et à chaque fois on croit que c'est moi. Voilà. Voilà. Bref, pourquoi as-tu créé ta chaîne? Parce que je voulais faire des vidéos. C'est logique. Enfin, moi, si j'ai créé ma chaîne, c'est parce que de base, en fait, je regardais des LPS tubeuses, des LPS tubeurs faire, et vu que j'avais plein de LPS avant, maintenant j'en ai beaucoup moins, j'en ai 200, maintenant j'ai une centaine, même pas. Et en fait, ça m'a trop donné envie d'en faire, du coup, je me suis mise à en faire, puis c'est une passion. Moi, en vrai, c'est à peu près comme ça, tu vois. En mode, je plagie, j'ai la flemme de dire ma réponse, donc du coup, ouais, c'est pareil qu'elle. C'est à peu près pareil. Enfin, je pense que c'est à peu près pareil pour tout le monde. Oh lolo, la grande Axel PS me plagie. Ah ouais. Eh, mais faudrait que tu es censé être honorée, tu vois. Hein. Une grande LPS, tu peux se te plagie, bordel. Je déconne. Je me sens bien. Non, je déconne. Alors, Choco LPS, est-ce que vous aimez les licornes qui pètent des petits cœurs violets? Voilà, bisous. Non, moi je préfère quand elles pètent des patates. Ouais, moi je préfère quand elles chient des patates, tu vois, c'est encore mieux. Alors, Andrea Andrade, ou Andrea Andrade, je sais pas comment ça se prononce. Andrea. Salut Axel, vas-tu faire plus de courts-métrages, pet-shop ou séries? Ok, je me casse, on parle même pas. Alors, oui, parce que c'est quand même ma vidéo, hein, faut pas déconner. Donc sinon, je sais pas si je vais faire d'autres courts-métrages, j'ai ma série, je vais le faire un jour. Déjà, elle a le dragon, donc c'est ouais, nickel. C'est vachement mieux pour faire une série qui s'appelle Dragon quand on a un dragon, hein. Voilà, je veux pas dire, mais... voilà, en plus, je pense qu'on pourrait toujours faire un court-métrage, toi, Lorraine et moi. Hein. Ah ouais, ça ferait... Ça serait pas vraiment un court-métrage, ça serait un long métrage. Un long délire, plutôt. Un long délire en 48 parties, parce qu'on va faire je sais pas quoi, mais on va le faire. Un petit peu comme la FAQ, quoi.
Pourquoi t'as créé ta... Alors donc Debra Relais Lynn, donc qui dit pourquoi t'as créé ta chaîne YouTube, on a déjà répondu. Et comment tu t'appelles? Moi c'est Lilou, donc voilà, c'est donc mon prénom c'est écrit L majuscule E trait d'union L majuscule O U, ça s'écrit pas du tout comme normal, mais voilà. Et moi, bah personne ne sait mon nom, je le dirai jamais. Non, je déconne. C'est pas du tout écrit dans son pseudo. Non, je suis sûre que personne n'a deviné que je m'appelais Axel, mais je m'appelle Axel, voilà, c'est la grande découverte du siècle. Oh mon dieu, tu t'appelles Axel? Oui. Je croyais que je t'appelais Gertrude, wesh. Ah bon? Oui, non, mais je m'appelle Axel. Alors, Laurence Biro. Attends, à moi lire une question. D'accord, vas-y, lis. Alors, si ça te fait plaisir. C'est moi qui lis la question. Alors, aimez-vous la chaîne de Lisa Barbinec? Enfin, moi je suis abonnée, mais enfin je regarde pas les vidéos, mais je suis quand même abonnée parce que je l'ai fait quand même gagner un abonnement. Voilà, bah moi je suis abonnée et je regarde pas trop les vidéos, idem, parce que je suis abonnée à plein de gens. Combien LPS avez-vous si vous cumulez celui-là et... Enfin, ah, donc, en fait, on a combien de LPS si on cumule compte, si on compte les miens et les tiens. Voilà, donc si je compte les doublons et qu'on compte tous nos doublons, bah ça fait à peu près... À peu près 900. Ouais, un petit peu plus de 900. Voilà. Voilà. Presque 1000, hein. Oui, presque 1000. Non, limite, on peut limite dire 1000 parce que bah, je vais bientôt avoir d'autres LPS et puis voilà. Ok. Je vais avoir... on va dire 3000 alors. Je vais avoir 20 ou 30 LPS en plus. 40 euros. Je vais avoir ce LPS et je vais avoir... Je vais avoir le chat du continent. Eh mais vas-y, fais-moi tomber, hein. Je dirai rien. Alors, Zoé LPS, c'est quoi ta race de LPS préférée? Alors, Elle, c'est les dragons. C'est lui, c'est les dragons. Bah oui, bon, les dragons, disons que c'est un truc à part parce que moi, c'est surtout celui-là des dragons que j'adore trop. Voilà. Sinon, bah, c'est... Les chats européens, les chats comme européens. Moi. Ah, voilà. Donc voilà, toi, je t'adore. Qui n'aime pas les chats européens? Après, ça dépend quelle forme, enfin, quelle forme, quel type de chat européen, parce que t'en as des chats européens qui sont tellement magnifiques, mais t'en as qui sont grave moches. Parce que t'as des soi-disant chats européens, par exemple, t'as le corps d'un chat européen qui est assis, qui tend la patte comme ça en l'air, mais qui a la tête d'un chat de gouttière. Ils sont des mix chelous. J'avoue. Alors, c'est quoi ta passion? Alors, bah moi, c'est la cinématographie, donc les montages vidéo surtout. Les montages. Bah, moi aussi, j'adore faire des montages. Ouais, en fait, le truc qui m'énerve, c'est que bah, j'ai que Power Director et mon movie maker, j'aurais kiffé avoir son Vegas Pro. Voilà, voilà. Vas-tu avoir de nouveaux FPS? Bah, je l'ai dit, donc oui, je vais en avoir. Voilà, puis moi, je sais pas quand est-ce que je vais en avoir, mais là, on va dire que j'en ai eu d'autres. Genre lui, vous voyez, oh, il est trop beau. En plus, c'est vraiment le vrai parce que. Bah, ouais, c'est pas un fake. Il a le signe et puis en dessous, en fait, il y a son numéro. Les fakes en dessous, il n'y a pas les numéros. Donc, de Ami Choupinette LPS. Coucou Axel et Flocon, j'ai une question pour vous. C'est quoi qui vous a donné envie de faire le LPS YouTube? Bah moi, c'est en regardant les vidéos LPS, je l'ai dit tout à l'heure, et puis voilà. Ça m'a grave donné envie d'en faire. Et moi, bah c'est pareil, puisque j'ai plagié tout à l'heure sa réponse. Je replagie la même réponse. Et bah t'avais qu'à répondre avant. Et bim 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 bim. Kumiko LPS, donc elle m'adore. Elle a dit qu'elle m'adorait, donc voilà. Faites-vous du sport, donc on a déjà répondu. Elle en fait pas, moi j'en fais. Quelle est la pire coupe de cheveux que tu aies faite? En fait, moi j'étais petite et je m'étais fait frange. Mais c'était tout en zigzag. Et puis je m'étais coupé les cheveux au carré. J'avais les cheveux genre qui m'arrivaient un petit peu plus bas que les épaules. Puis je me suis fait une coupe au carré, mais genre avec les ciseaux. J'ai coupé, c'était même pas droit. Et je me suis fait une frange dégueulasse. Ok. Bah moi, j'ai jamais trop changé de coupe de cheveux. À part que j'avais enlevé ma frange à un moment et je l'ai remise après en fait. Si on l'enlève. Ah non, non, vers la frange. Parce que tu vois, ça fait très moche. Non, ta frange, ça me va bien. Ouais, mais à un moment donné, j'avais pas ma frange et en fait, quand je regarde mes photos d'avant, je me dis putain, ce que j'étais moche. Voilà. J'ai bien fait. Non. En fait, si j'avais fait une frange, c'était pour cacher mes boutons de base. Merci les boutons d'être venus comme ça, j'ai eu une frange. As-tu déjà été amoureuse? Bah moi je suis actuellement en couple, mais sinon oui, j'ai déjà été amoureuse. Bah moi aussi, sauf que je suis pas. Ouais, je sais. Je te stalk tous les soirs. J'ai piraté ton ordinateur et je lis tous tes messages. Pam pam pam. Putain, il y a le décor qui a failli tomber, tout en mode oh boum. Alors.
Ça, on avait déjà lu. Je sais pas pourquoi ça s'est mis en deux fois. Alors, Lilou LPS, tu aimes les patates? Oui, j'aime les patates. J'aime les patates. C'est dégueulasse. Mais toi, t'aimes pas les patates? J'adore les patates. T'as cru quoi, oui? Qui n'aime pas les patates? Mais oui. S'exprime en commentaire. Et que je le tue. Et subira mon courroux. Que je le tue. Oh, pour une fois, j'ai été sérieuse dans une phrase. Je suis trop fière. On s'en fout. Tu es un animal, tu es un frère ou une sœur, tu es en quelle classe? Donc tu réponds d'abord. Ok, bah alors j'ai le deux chats. Pour la fin. J'ai deux chats et un poisson rouge, mais le poisson rouge s'en bat les couilles. Alors sinon, moi j'ai un animal, j'ai un chien, j'ai un frère et une sœur et je suis en quatrième. Oui, et donc moi j'ai pas répondu au reste, donc voilà. Donc j'ai un frère et je suis en seconde. Donc Aline Falipou. Alors, ce n'est pas une question, mais aujourd'hui c'est mon anniversaire, donc voilà. Bah, joyeux anniversaire en retard, du coup. Ouais, bah, comment tu t'appelles? On a dit notre âge. Tu es né quand? Moi, j'étais le 26 août 2003. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. Tu m'as demandé chez nous. Alors, ta matière préférée au collège, bah, que tu as dit l'anglais et la musique. Ton sport favori, le rugby. Ton animal préféré, les chats. Donc, j'ai un chien, déjà, en fait, les chats et chiens, j'adore. Et je suis un animal de compagnie, j'ai un chien. Voilà, donc moi, comment tu t'appelles? J'ai déjà dit, je suppose que déjà tout le monde le sait. Tu es non, né moi quand? Je sais pas. Ta gueule. Tu es né quand? Le 12 juillet 2001. Tu as quel âge? 15 ans. Après, ta matière préférée au collège, j'ai déjà dit. Ton sport favori, j'en ai pas, j'aime pas le sport. Ta gueule, toi. Non, mais ta gueule, je m'en fous de toi, hein, ok? Laisse-moi répondre à mes questions tranquillement. The Sky Life LPS. Je parie que je ne passerai pas dans cette vidéo. Et bah voilà, bah ton pari il est nul. Bah pour la tête, hein, tu vas devoir acheter un poisson rouge et lui chier. Pardon. Putain, on a vraiment des délires chelous. Elle a posté deux fois le même, je crois. On s'en fout. Ah oui. Je parie que je ne passerai pas dans cette vidéo. Donc. Pardon. Ça me fait pas bah voilà, mais enfin bref, je suis encore Axel. Est-ce que vous serez. Est-ce que vous serez fier de vous si vous aviez une licorne unijambiste avec une tête de pet shop? Allez, bye, bisous, j'adore vos vidéos. Enfin, moi, déjà, si j'ai une licorne, je suis déjà heureuse. Bah, si moi, elle fait des patates, je suis heureuse. Si elle est unijambiste, bah, rip pour elle, mais je m'en fous, j'aurai quand même une licorne. Bah, moi, si j'aurais une licorne unijambiste avec une tête de pet shop, je serais. Avec la tête de Gilbert Montagnier. Ta gueule. Hashtag Norman. Donc, je serais heureuse, sauf si c'est une tête de moche, tu vois, une tête très très moche. Depuis quel âge jouez-vous au Pet Shop? Moi je ne joue plus au Pet Shop, je les utilise surtout pour tourner des vidéos, juste parfois quand j'ai une idée qui me traverse la tête. Et bah en fait, et que j'ai pas vraiment envie de la filmer, bah je fais juste comme ça. Bah moi non plus, j'y joue plus en tout cas au Pet Shop. J'avais joué un moment, mais genre quand j'étais petite j'avais des Pet Shop mais j'y jouais pas. Et je sais pas, quand j'ai découvert la PS Tube, j'ai joué genre pendant un ou deux ans et après j'ai arrêté, voilà quoi. Oh putain, c'est trop bien, c'est une heure plus tard. C'est la merde. Que tu as quel âge depuis quand collectionnes-tu les Pet Shop? Alors moi j'ai 15 ans, j'ai déjà dit, et je collectionne les Pet Shop depuis... j'ai vraiment commencé la collection en 2012. Je pense qu'elle devait dire tu as quel âge depuis que depuis que t'as commencé ta collection, t'avais quel âge en fait, je crois que c'est ça. Ah peut-être. Bah alors j'ai commencé à l'âge de 11 ans, je pense. Enfin vraiment commencé quoi, j'avais des Pet Shop avant. Mais... Moi j'ai vraiment commencé, j'avais 6 ans. Voilà. Oui, donc on va continuer avec les questions de LPS Forever. Donc par contre je dis pas les questions qu'on a déjà dit. Donc pourquoi ce nom de chaîne? Pourquoi ce nom de chaîne? Alors moi c'est très simple. Parce qu'elle avait la flemme de chercher un pseudo. Oui, enfin, non, j'avais déjà un pseudo et en fait je vais m'habiller. Non, d'accord. Et en fait YouTube m'a dit non, ce pseudo n'est pas un prénom avec un nom de famille. Il faut qu'on mette un prénom avec un nom de famille. Bah bref, je vais pas raconter voilà. Du coup je me suis dit bon bah mon prénom Axel et LPS. Tout simplement, hein, il n'y a pas besoin d'explication en fait. J'aurais même pas dû dire expliquer, mais bon, bref. Et donc, toi, Flocon, pourquoi ce nom de chaîne? Alors, tellement naze. Avant, j'avais. Avant, c'était Citroën LPS trop kawaii. Puis j'ai raccourci à Citroën LPS. Mais en fait, vu que j'avais vu qu'il y avait beaucoup de Citroën LPS, ça m'a saoulé en fait. Je me disais, en fait, je suis pas du tout originale. Et puis, vu que ma soeur, elle adore les flocons, et que moi aussi, j'aime beaucoup les flocons, et je me suis dit, Flocon LPS, j'aime beaucoup. Donc, puis il n'y en a pas beaucoup, j'en ai vu juste genre 3 ou 4, c'est tout. Et
puis bah ça m'a vraiment donné envie de renommer ma chaîne en Faucon LPS. Voilà. Après, quel est ton logiciel de montage? Alors moi c'est Sony Vegas Pro 12. Alors moi j'ai Power Director sur portable. C'est une autre histoire. Enfin, c'est pour le directeur version bundle. Tu as juste besoin de rentrer un code et c'est tout. Et sinon, bah, c'est sur ma table. Et sinon, si c'est sur ordinateur, j'ai Movie Maker 2.6. D'accord. Voilà. Très intéressant. Alors, les questions de Cookie LPS Games. Donc, votre aliment préféré. Alors, moi qui réponds d'abord, ok. Les patates. Les patates. Oh merde. Votre style de musique, moi j'aime bien la K-pop en coréen. Et j'aime beaucoup le rock. Voilà. Ok, bah moi j'aime un peu de tout sauf le rap. Le pouvoir que vous aimeriez avoir. Ah oui. Faire apparaître les LPS de mes rêves. Bah moi c'est téléportation. Voilà, je n'existe plus. Ouais, enfin on t'a pas du tout te barrer en courant, c'est tout. Non, je n'ose pas du tout parler en courant, non, pas du tout. les questions de Top Dash. Préfères-tu la lune ou le soleil? Alors moi le soleil parce que c'est plus pratique quand il y a du soleil pour faire des vidéos. Bah, alors voilà, que la lune, voilà, la lune c'est joli mais ça éclaire pas assez, voilà. Je préfère le soleil aussi. Une cowboy ou une pirate? Moi pirate, c'est vrai. Moi... grave les pirates. Bah moi, cowboy. Alors MSP ou Minecraft? Minecraft aussi. Être moche et gentil ou être belle et méchante? Je préfère être moche et gentille, sérieux. Oui, moi aussi. Les Danois LPS ou les chats LPS? Les chats. Même si les Danois c'est joli aussi, mais. Et les Danois. C'est la meuf qui répond pas à la question. Quelle est ta musique préférée? Perso, ma musique favorite pour moi c'est. Attends, je me rappelle plus du titre. Bah déjà j'aime beaucoup René La Tempesta, ta meilleure amie. Ouais, moi aussi. En détresse de Genesis. Moi aussi d'ailleurs. T'as fait un MV dessus sur En détresse. Donc ouais. Alors, Avepi ou Flocon LPS? Moi. Je rigole. Bah je pense plus à Avepi. Enfin moi je dirais bon, alors, plus. Flocon LPS. Surtout vous dites pas à Avepi. Vous dites surtout pas Flocon, d'accord? Vous dites surtout pas. Cyprien ou Norman? Cyprien aussi. Squeezie ou le rire jaune? Bah franchement, Squeezie il a quand même un peu changé, du coup ça m'énerve un petit peu plus, donc j'irais plus le rire jaune. Moi je dirais Squeezie quand même. Le violet ou le bleu? Le bleu. Le bleu. Voilà, bisous à toi Axel. Mais pourquoi pas Flocon? T'as les photos. Je jure le comprends. Non, il va très vite arriver. Bon. Bon, on va faire comme si elle avait dit aussi à Flocon. Mais c'est pas écrit sur l'écran. Bon alors Top Dash, hein, tu as vexé Flocon, maintenant elle est triste et maintenant elle va se suicider à cause de toi. Je suis vexée. Dégage-toi. Je suis vexée. T'as compris? Je suis vexée. Et j'ai rien à dire. C'est vrai. LPS. Oh putain. J'ai bugué. Est-ce que tu peux me faire une dédicace s'il te plaît? Bah voilà, je t'ai fait une dédicace. Allez, bim. Bon, je pense qu'elle avait demandé à Axel. D'accord. Alors, le studio Licorne. Ça, on avait déjà répondu. Quel est le court-métrage que tu as le plus aimé faire? Moi, j'en ai pas encore fait, donc c'est bon. Vas-y. Bah moi, je dirais... J'en ai fait deux, en fait, mais bon... Bah le court-métrage, je sais même plus comment je l'avais appelé. Friend or not, voilà, parce que j'étais pas toute seule, donc c'est toujours plus sympa à deux, quoi. Voilà. Après j'avais fait un court-métrage, mais c'était plus un délire, mais avec Lorraine, mais on va dire que c'est un délire, voilà. Voilà. Quelle est ta série LPS favorite? Alors moi j'en ai deux, donc j'ai une série en français et une série en anglais ou en américain, enfin bref. Donc la première c'est Broken Heart de Sucrète, je l'adore, elle est juste magnifique cette série. Et j'ai Experiment 42 de LPSX. Sinon bah ma série préférée c'est Le Pouvoir de Yelena. Et en anglais j'en ai eu une, mais j'ai oublié. Ah oui, c'est Double Trouble, de je sais même plus qui, mais Double Trouble. Alors, quel est ton LPS favori? Bah en fait, celui-là je l'adore, mais c'est celui-là en fait parce que bah ça l'aime. Voilà, et moi bah c'est celui-là parce que bah Lilou elle me l'offre, hein, tout simplement. Elle est trop bonne. Voilà, j'ai déjà dit 300 000 fois dans la vidéo. Voilà. Alors l'OVNI LPS
Allez-vous, juste après cette vidéo FAQ, faire une vidéo drôle comme avec ton ami, ça serait trop bien. En plus, je serais toujours pété de rire. Eh bah écoutez, oui, je crois, enfin... Bah juste après cette vidéo, voilà. On va faire une vidéo à la con. Voilà. Et justement, comme c'était la dernière question... Ah non, c'était pas la dernière question. Bah... Mais je crois que les autres, elles ont déjà été posées. Bah oui. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Enfin, je sais pas combien ça a duré pour le tourner, mais bon. Bah voilà, bon bah moi je vous dis ciao hein. Voilà, même si t'as qu'à faire le truc final parce que moi je sais pas quoi dire, je dis juste ciao. Voilà. Bah voilà, je vous fais des gros bisous et puis bah on va vous tourner des petites vidéos à la con. Enfin petites, elles vont être très longues. Donc voilà. Alors vu que moi je suis grave originale, je me tue et bah c'est moi qui va finir. Donc voilà, bah sinon bah je vous fais des gros bisous et puis bah ciao pour la prochaine vidéo et puis je sais pas du tout comment on fait pour couper, donc c'est toi qui coupe.